عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ أولى علوم رياضية بروميير أني سيونس مات، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نديرو بحال واحد الدرس، المهم تشبه الدرس نتاع لي زيكواسيون إي لي زينيكواسيون تريغونوميتريك. دونك على بركة الله نبداو أولا بمراجعة الدائرة المثلثية لو سيركل تريغونوميتريك، وبالضبط روبيراج دان بوان سور ان سيركل تريغونوميتريك. شنو هي روبيراج؟ هي ديتيرميناسيون دو لا بوزيسيون دان بوان سور ان سيركل تريغونوميتريك. Alors, étant donné un point sur le cercle trigonométrique, hein, c'est un repère OIG orthonormé, il y a quand X et à la mesure de l'angle, alors l'abscisse curviligne du X de M il y a X. Oui, c'est en même temps la distance entre voilà, la longueur de l'arc IM. Alors, la première remarque, ce qu'on a à faire, si on fait un tour à partir de M, on revient aux mêmes positions. C'est-à-dire, avec X plus 2P, l'adresse est à Y, on retrouve le point M. Si on fait 3 tours, j'ai 3 tours, 4, 2 tours, il y a 2 fois 2P, il y a plus 4P. De même, si on fait 3 tours. De même, si on fait 4 tours, etc. De même, si on revient en arrière, on effectue un tour sur le cercle. C'est la même chose. On revient au même point. Donc, le coulomb représente le même point, représenté par le même point. X, la petite X, l'abscisse curviligne X. Et ni à de la distance, à de la longueur, il y a x. Si vous partez d'ici et vous parcourez x, alors vous êtes sur le point M. De même, si vous effectuez à partir de ce point un nombre entier de tours, voilà, la même chose. Donc, d'exercice un goulot, x plus 2kp avec k appartient à z. Représenté par le point. Quel est le point particulier? Il y a le point I, il y a le point G, le point E', le point G'. Il a dit l'abscisse que vous venez de là, il y a 0. Il y a non M, il y a quintena, il y a 0. Il a dit l'abscisse que vous venez de là, il y a pi sur 2. Il y a l'angle, il va dire pi sur 2. وهذه الى حسبتي من هنا تعطيك بي، وهذه بغات تعطيك موان بي سور دو. مي راه شتو عاوتاني هادو ولا زدتي عليهم ان نومبر دو بي راه يل ريبريزونت لو ميم ريال. غندوز دابا ديفينيسيون دو كوسينوس سي سينوس سور لو سيركل تريغونوميتريك. دونك ان بوان اي روبيري بنا باغادي و تنعرفو ان بوان سور لو بلون عندها لي كوردوني ديالو. دونك الى درتي لي كوردوني ديال هاد البوان، alors par définition, là ou à cos, l'abscisse ou le cos, ou l'ordonnée ou sinus. Donc, vous avez le coordonnée du point M, le coordonnée du point M, ou à cos x, sin x. Il y en a aussi la définition de la tangente. C'est-à-dire une autre droite, la droite tangente, peut-être la droite tangente au cercle trigonométrique, enfin le point Hadi. C'est-à-dire une gradation et de même sens. Donc, lorsque vous, ce point, cette droite rencontre la droite OM rencontre on a un point, il a dressé la gradation, il a dit cathartique tangente X. Et on montre que tangente X est égal à sinus X. Si M est sur ces deux points, vous voyez que la droite, il devient parallèle à sa droite. Donc, il ne rencontre jamais à la droite. Donc, chez LH, pi sur 2, moins pi sur 2, la tangente n'est pas définie.
يعني interdire de crier tangente pour les réels pi sur 2 ici 2 capi avec k appartient à z. De même pour les réels moins pi sur 2 plus 2 capi. On va de m'a dit éviter les réels pour la tangente les réels pi plus capi. اش هو الفرق بين هادو هادي كتلخص هاد لي ريال بجوج لان هنا اش قلتي بي سور دو بلوس ان نومبر دو تور ديال ان نومبر اونتي دو تور هنا موان بي سور دو اور انتر بي سور دو اي موان بي سور دو كاين دومي تور الوغ سي فو فيت سوا دومي تور ولا ان تور سي انتيردير ديكري لا طونج داكشي تيقول لك بعض المرات لونسومبل دي ديفينيسيون ديال لا طونجونت هو لي ريال كي سون ديفيرون دو سي ريال. Alors j'espère que vous avez les comptes qui fassent très bien là, le cercle trigonométrique. Deuxièmement, d'abord, les équations trigonométriques de la forme cos x est égal à un réel. Si vous voulez résoudre l'équation, soit dans R, soit dans un intervalle donné. Alors commençons pour simplifier par résolution de cette équation dans R. اول حاجه اش كنت عارفو هو انه كاين واحد الحالات اللي ما كتكونش عندها سوليسيون اشنا هي الكوسينوس قلنا نرجعو لا ديفينيسيون ديال الكوسينوس هي لابسيس ديال هاد لو بوان كي فاري انا تيبان لكم اونتر موان زان امبوسيبل دافوار كوسينوس اون دهور دي زانترفال دونك رابيلون كو جي كيل كو سوا اكس ابارتيان ا ار cos x est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, la chose, il a qu'un tête comme a strictement supérieur à 1, alors il est en dehors de l'intervalle, s est égal à l'ensemble fait. Pas de solution. C'est a strictement inférieur à moins 1, l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Exemple. L'attaque matérielle, cos x est égal à moins 3. C'est l'ensemble vide. Non, cos x, non, supérieur à moins 1, strictement supérieur à moins 3. Donc, impossible d'avoir cos x est égal à moins 3. La carte justifie. L'attaque matérielle, cos x égal à 7. Impossible. S est égal à l'ensemble vide. Car cos x inférieur ou égal à 1 strictement inférieur à 7. Voilà, donc tendina mna hal halat tibqaw al hala li tikoun a compris entre moins 1 et 1 ana mumkin walakin aji ndersou halat khassa jiddan des cas particuliers très spécial. Voilà, c'est a aji nchoufou les extrémités on a 1 et moins 1. Lorsque A est égal à 1. Alors, j'ai le cercle trigonométrique. Alors là, comme l'axe des abscisses, les voir ce qu'on fait les cosinus, on a sinus. Alors, 1, voilà. L'axe de le cosinus. Alors, si vous vous rappelez, alors, si vous avez n d'abscisse curviligne x, alors cos x c'est qu'on est là. Donc si coïncide là, n est le point et coïncide avec ce point. Yani, le seul réel tel que cosinus égale à 1 ou 0 et 0 plus 2. Donc faire le halahadi, on commence ce point. Yanda, l'abscisse égale à cosinus égale à 1. Il y a 0 plus 2π. Faites l'équation cos x égale à 1, c'est seulement si est égal 0 plus 2π, il y a 2kπ. Une seule solution. 1 multiplié de π. Si on fait la résolution dans R, dans le S, ou à l'ensemble gardien, il y a les multiples, tel que k appartient à z. يعني نقصد لو ملتيبل راه 0 2 بي 4 بي ان انفيني فوالا انفيني دو ميم ايسي موان 2 بي
moins 4π infini. Ouais. Là, deux, ce sont des solutions. Mais allez, les galiques sur un intervalle. Allez, je vois une bête. Allez, je vois d'abord l'autre extrémité. CA est égal à moins 1. Toujours, mais non. Cercle trigonométrique. Donc, sur l'axe du cosinus, c'est un moins 1 ou 1. On a le point d'abscisse que venait pi. Non, en tout cas, l'angle ou pi. Non, on a un seul point de cosinus là ou un moins 1. Donc, on a un dit R, pi. Ou pi plus 2kπ. Donc, on a un comme cos x est égal à moins 1. C'est ce mot-ci, x est égal à pi plus 2kπ. C'est seulement si vous écrivez x est égal 2kπ plus 1 fois pi avec k appartient à z. Alors s est égal. Alors si vous remplacez, vous prenez les valeurs entières successives pour k est égal à 0, attaque pi, les a morpha, on va 3π, on a 5π, 7π, etc. On est les multiples impairs de pi. On a moins pi, moins 3pi, etc. Et là, je moyenne ta fond la résolution des équations. Ouais, ben, l'ensemble a déterminé l'ensemble des définitions. Alors, souvent, la détermination de l'ensemble de définition d'une fonction se ramène à la résolution d'une équation. Donc, les équations sont un phénomène. Maintenant, on passe au cas où a strictement compris entre moins 1 et 1. Alors, fait le cas d'un jour cercle trigonométrique. On va aller maintenant une valeur usuelle. Les angles de cadavre. Alors, entre a et moins 1, on a un axe. Si on prend a ici, par exemple, vous faites la parallèle, vous tracez la parallèle à l'axe des ordonnées. Allez. كتعطيك بلا كاين واحد البوان لابسيس اكس لي بروجيكسيون ديالها هي هادي يعني بطاطيك كوس الفا دونك كوس الفا سين الفا دونك ضروري تكون هادي ضروري تكون شي وحده سواء كان هنا ولا هنا بحال بحال دونك هنا دابور قبل ما نبداو توجور vous allez trouver un unique réel qui appartient à 0 pi tel que cos alpha est égal à 1. Voilà. Et alors, à tous les entre l'équation cos x est égal à cos alpha, on va dire chauffe sur les cercles trigonométriques, ce que ça veut dire cos x est égal à cos alpha. L'interprétation, avec la valeur, dire a, y a, est-ce que M, c'est le seul point de l'abscisse qu'on verra de la cosine du loin? Non, qu'il y a de symétrique. Symétrique, c'est le loin. Là, c'est qu'il y a M, l'abscisse curviligne, moins alpha. Voilà l'abscisse curviligne, alpha. Et qu'il y a deux points. Donc, pour nous, x soit le point, soit le point ou le point. Alors, pour x, il existe deux cas. Soit x est égal à alpha plus 2kπ, ou bien x est égal à moins alpha plus 2kπ. Je rappelle, là, les points qui représentent ces deux réels, ils sont symétriques par rapport à l'axe des x. Et voilà, l'ensemble des solutions cette fois, c'est comme la réunion des ensembles alpha plus 2kπ, c'est que k appartient à z, union moins alpha plus 2kπ, c'est que k appartient à z. Et dans les exemples,
Résoudre dans R et représenter les solutions sur le cercle trigonométrique de l'équation. Les solutions sur le cercle trigonométrique. Alors maintenant, on a l'équation. Alors, c'est le cosinus d'un angle usuel, et on a P sur 3. Alors, cos X est égal cos P sur 3. C'est équivalent à X égale à P sur 3 plus 2kpi, ce que K appartient à Z. On a ou bien X égale à moins P sur 3 plus 2kpi avec K appartient à Z. Voilà, donc là, l'ensemble des solutions, c'est P sur 3 plus 2kpi tel que K appartient à Z, union l'ensemble des réels moins P sur 3 plus 2kpi tel que K appartient à Z. Alors, représentation des solutions, donc on voit la valeur 1,5 et je fais la droite parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà, je représente les solutions. Là, les solutions sont seulement représentées par deux points. Là, le point M, l'abscisse curvilinéaire P sur 3, ou l'autre point, l'abscisse curvilinéaire moins P sur 3. Maintenant, passons à notre équation. Cos X égale à moins racine de 3 sur 2. Alors, là, j'ai toujours l'existence d'un unique alpha appartenant à 0 pi, tel que cosine 0 ou moins racine de 3 sur 2. Mais la valeur négative, tu as toujours chaîne de l'angle usuel. Alors, l'angle usuel, du coup, tu vois l'angle usuel, la racine de 3 sur 2, ou pi sur 6, sinus pi sur 6. Donc, pour obtenir moins, t'as du coup pi moins alpha, je rappelle, la relation pi moins bêta est égal, pardon, cosinus de pi moins bêta, c'est moins cos bêta. Alors, le cosinus de la racine de 3 sur racine de 3 sur 2 ou le cos de pi sur 6, pour obtenir moins, il suffit de faire pi moins pi sur 6. C'est-à-dire, j'obtiens l'équation cos x égale à moins racine de 3 sur 2 équivalent à cos x égale à cos pi moins pi sur 6. Les ratatina cos x est égal cos 5 pi sur 6. Et alors, ceci devient x égale 5 pi sur 6 plus 2kpi ou bien x est égal à moins 5 pi sur 6 plus 2kpi avec k appartient à z. Et donc l'ensemble des solutions ici, il y en a, donc les solutions, soit 5π sur 6 plus 2kπ, ou bien x est égal à moins 5π sur 6 plus 2kπ. Donc l'ensemble des solutions, voilà, la réunion, il y a des intervalles. Pardon, ce n'est pas des intervalles, mais c'est des ensembles. Représenter les solutions, voilà. Donc, là, il faut poser moins racine de 3 sur l'axe des abscisses, ou pour le mettre avec exactitude, les racines de 3, on ne suppose que de falloir approcher. Alors, il a quinte moins racine de 3 sur 2 cosinus, sinus, nécessairement, on va trouver 1 demi. Et non. Voilà, on a 1 demi, il y en a 1 demi, c'est facile
A posé sur l'axe 8 euros. À la droite horizontale, donc, elle dit, mais qu'on a 1,5 moins racine de 3 sur 2. Et vous posez moins racine de 3 sur 2 avec exactitude. Et voilà, donc les solutions sont représentées par ces deux points.